Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui nous allons voir comment enlever et remettre une barrette de RAM. Donc je vous présente ici une carte mère. Donc je l'ai mise dans le sens qu'elle pourrait avoir dans un boîtier. Donc vous devriez avoir normalement la même configuration à peu près. Je dis à peu près car parfois les ports notamment pour l'alimentation qui est ici et bon aujourd'hui ça n'existe presque plus, les ports IDE se trouvent ailleurs sur la carte mère, mais la plupart du temps les ports qui sont ici au nombre de 3 qui sont des ports PCI et le port carte graphique qui se situe ici qui est pour moi un port AGP se situe à peu près aujourd'hui encore dans ce sens-là, dans cette configuration-là. Voilà. Le processeur, quant à lui, est à peu près toujours en haut de la carte mère. Voilà. Vous pouvez là, il est en dessous du ventilateur. Voilà. Donc, nous allons tout de suite repérer où se situent les barrettes de RAM. Donc, elles sont généralement à côté du processeur, le plus souvent. Sur cette carte mère, elles se situent ici. Voilà, donc vous pouvez apercevoir, je vais tourner la carte mère. Voilà. Et vous pouvez apercevoir une barrette de RAM, ainsi qu'un deuxième slot qui est quant à lui libre. Voilà, donc voici la barrette de RAM. Donc la configuration est à peu près la même pour toutes les cartes mères, c'est-à-dire vous avez un slot ici avec des clips en plastique ici et ici. Voilà. Donc ça n'a pas changé. Et pour enlever la barrette de RAM, il vous suffit tout simplement, après vous être démagnétisé les mains, car c'est très important avant de toucher tout ce qui compose le PC, tous les composants, si on veut changer un processeur, une barrette de RAM, etc. Il faut toujours, avant d'entrer dans le boîtier, se démagnétiser les mains. Vous pouvez le faire notamment en touchant de la tuyauterie, notamment celle des radiateurs. Voilà, ça permettra d'enlever toute l'électricité qui se situe au bout de vos doigts et qui peut nuire au bon fonctionnement des composants. Voilà. Donc, pour ce faire, il vous suffit d'appuyer, comme je vais le faire ici, sur voilà les clips en plastique. Vous le faites bien entendu des deux côtés. Voilà. Une fois ceci fait, vous pouvez aisément retirer la barrette de RAM. Voilà. Donc bien entendu, moi je le fais alors que la carte mère est en dehors du boîtier, mais vous pouvez bien entendu le faire alors que la carte mère est encore dans le boîtier. Il vous suffira simplement d'enlever les fils qui pourraient vous empêcher d'atteindre librement l'espace réservé aux barrettes de RAM. Voilà. Donc, je vais vous présenter ici, vous avez deux barrettes de RAM. À droite, vous avez une barrette de RAM, celle qu'on vient d'enlever d'un PC fixe. Et à gauche, vous avez une barrette de RAM d'un PC portable. Voilà. Une fois que vous avez enlevé la barrette de RAM, soit pour nettoyer ou soit pour en mettre une autre plus performante, il vous suffit de prendre votre barrette de RAM, comme ceci, de bien faire attention que les clips en plastique soient bien ouverts, comme ceci. Vous faites bien attention au sens. Il y a un certain sens à respecter, comme vous pouvez voir ici. Et de toute façon, ça devrait bloquer si vous vous trompez de sens. Donc ensuite, vous mettez, que je ne me trompe pas, votre barrette de RAM dans votre, voilà, dans votre emplacement réservé et vous appuyez délicatement, voilà, comme ceci, pour faire pression, pour que le petit morceau de plastique, le petit clip, viennent se positionner dans l'emplacement réservé à la barrette de RAM. Il y a une petite
Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit renfoncement qui permet au clip de se positionner. Voilà. Vous faites pareil pour le deuxième. Voilà. Une fois que vous avez entendu le petit clic, c'est que c'est bon. Donc là, vous pouvez constater que la barre de RAM a été mise et que elle est correctement attachée. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez éventuellement en mettre une deuxième, ainsi qu'une troisième, une quatrième, selon le nombre de vos emplacements. Voilà. J'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir.